Je répète, attention. Alerte rouge, intercepteur en position immédiate de lancement. Contrôle de défense au sol, alertez les lance-fusées. Passe blanche à contrôle Shadow. Passe blanche à contrôle Shadow. Qui a-t-il, base blanche? Contrôle de défense au sol en position. Intercepteur spatial lancé. Contact moins 22, 28. Entendu. Faites intervenir à moins 16, 10. Ils battent en retraite. Groupe de chasse. Ça, je m'en doutais. Base blanche, dites à votre groupe de défense de se dépêcher. Contrôle Shadow, trois nouveaux visiteurs en approche orbitale référence. 3-1. C'est un piège. Base blanche, instruction aux intercepteurs de retourner immédiatement. Ça y est, c'est fichu, il n'y a plus d'espoir. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Contrôle
Merci beaucoup. 8 vaisseaux détruits dans un délai de 8 jours. Doute-t-il de nos intentions? Il faut dire que dans tout ça, l'important, c'est de stopper leur activité. Déjà 3 d'entre eux ont été abattus. Et aujourd'hui, on en a détourné plus de 6. Quoi qu'il en soit, après ce coup-là, ils devraient abandonner. Colonel Lake, je serais étonné que tous ces sacrifices n'aient pas un but. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qu'ils vont tenter ensuite. Café? Oui, avec du lait. Ouf. Deux. Tu sais, Alex, je deviens vieux pour ce genre de boulot, je pense. Et Steve... Hein? Je commence à en avoir plein le dos. Oui, on m'attend à la maison, tu sais. Oh, Vénard, 48 heures de détente qui sont bien gagnées. Ouais, ben laisse-moi le temps de me sortir de là. Quoi? Je disais, laisse-moi le temps de me sortir de là. Les officiers dont les noms suivent sont désignés pour l'entraînement de combat. Phillips, Robinson et Reagan. On n'est jamais tranquille un moment. Aux armes, citoyens. Alors, à tout à l'heure. T'as qu'à les envoyer paître. Touché. Très bonne réaction. Alors, Riga, t'es endormi ou quoi? La journée a été rude. Laisse tomber. Non, laisse tomber. Non, comme tu voudras. Tu forces un peu plus, ça casse, t'as fait une faute. Tu remets ça, Reagan? Non, toi, des champions, pas. Ah non, Reagan, tu as failli m'avoir ce coup-ci, mais toi, tu n'écoutes que ton instinct. Ouh, je suis pas si méchant que ça. Tu descends demain? Oui. Dis bien bonjour à ta femme. Salut et bon courage. Ouais. Oh, merci bien. Trop aimable. Car je vois ça d'ici qu'on est embarqué pour un bon bout de temps. Un peu étrange pour jouer aux échecs. Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Tracker l'a ordonné. Tous les astronautes doivent être en alerte jusqu'à nouvel ordre. Moi, je trouve qu'il exagère, franchement. Il faut déjà être en état en 200 secondes. On va plus se coucher si ça continue. N'ayant plus aucun contrôle de défense au sol, il souhaite ne courir aucun risque. Et vous serez ravis d'apprendre qu'il demande 5 fois par jour l'exercice d'alerte, et cela jusqu'à nouvel ordre. Ils auront bien notre peau avec leur fichu base terrestre. On n'a pas d'autre choix, tu sais. Et oui, l'astronaute James Reagan va lui aussi s'habiller. Ça m'embête bien pourtant. Morgan, c'est Reagan. Salut, Jim. Hey, j'ai entendu parler de vos problèmes de vaisseaux spatiaux. Je te raconterai la prochaine fois. Et toi, comment ça va? Ça se maintient. Alors, à jeudi. C'est ça, à jeudi. Courage, Morgan. C'était beaucoup pour toi. On ne discute pas de travail, c'est promis. Tu me connais, je m'inquiète tellement. Voyons. C'est que je t'aime. Tu as l'œil qui s'éteint, tu sais. Ça peut encore aller. Cependant, si je cherchais une excuse pour aller au lit, elle serait toute trouvée.
Et les Thompson? Les Thompson sont charmants, les Thompson. Les Thompson? Oui, et bien quoi, les Thompson? Pourquoi parles-tu des Thompson? À dîner, ce soir. Tu te souviens, les Thompson? Oh. Tu crois qu'il faut y aller? C'était ton idée à toi, tu sais. Oui, j'ai accepté, mais maintenant je le regrette. Jim, voyons. Rien de meilleur pour se remettre qu'une bonne douche, je ne connais que ça. Allez, dépêche-toi, vieux grand-père. Et toi, ça va? Voudrais-tu boire quelque chose? Oui, de la vodka sur un peu de glace, mon ange. Entendu, maître. D'accord. Quand arrivera le moment où ils voudront sortir leurs clichés mémorables, tu es prise d'un mal de tête terrible, on doit rentrer. Sois pas si mesquin. Tu sais à quel point ton cousin est fier de ses photographies. Oui, en tout cas, pour les films, il n'y a pas de quoi. Rien que celui des Louisianes, sans compter le documentaire bien personnel sur la vie d'un ver de terre. Oh, Jim, allons, voyons. Je suis si heureuse quand tu reviens à la maison, tu sais. Pourquoi est-ce qu'on n'y retourne pas? Et dire qu'on a eu une panne de dos. Note que ce dîner ne me tente pas une seconde. On ne peut pas s'en dispenser. Muriel a spécifié qu'elle te ferait ton plat préféré. Oh là là, nom d'un chien. Je n'ai aucune idée au sujet de l'envoyeur. J'ai entendu sonner, alors je suis allée ouvrir la porte. Il n'y avait personne. Étrange. Juste ce paquet jaune. J'ai tout de suite pensé que c'était moi qui avais fait cette commande et que j'avais oublié. Tu sais ce que c'est. Alors j'ai ouvert le papier. C'était un Ouija. Ah oui. Aide-moi, prends les cartes qui sont dedans, chérie. Quant à imaginer qui envoyait ça. Oh, c'est curieux, il y a une espèce de jouissance à démasquer qui a fait ce genre de blague. On devrait tous essayer juste pour s'amuser. C'est dommage, j'avais entendu dire qu'Albert se lançait dans des films plutôt pornographiques. Oh, allô, allô, qui a pu vous mettre ça en tête? Albert, tu t'imagines, donnant dans ce genre-là, toi qui dans la vie n'a fait que des documentaires. Je suis en train de donner la touche finale à une œuvre capitale. Bon, bon, toi, tu vas t'asseoir là, Albert et Jeanne là. Et Jim va venir à côté de moi. Allons, venez, Jim. Merci beaucoup. Et maintenant, chacun va poser son index sur le... Oh, un instant. Une retouche à l'éclairage. Comme ça, on va se mettre dans l'atmosphère et ça sera plus favorable aux esprits. Et bon... Règle pour ce jour, on a l'index droit posé sur le dessus. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ah oui, bien sûr, on pose sans doute une question. Alors vous y allez, Jeanne, à vous l'honneur. Entendu. Qu'allons-nous avoir, une fille ou un garçon? Non, non, on n'y est pas du tout. Reposez la question. Écoutez, on va jouer en suivant la règle exacte. Nous avons deux cartes. L'une répond oui, l'autre non. Si vous tirez la carte non, alors vous savez que ce n'est pas un garçon. Oui, si on a des jumeaux. Ça, c'est un piège. C'est pas la difficulté, Jim. D'accord. Allons-nous avoir un garçon? C'est un garçon. J'ai toujours soupçonné les gens de légèrement tricher en abordant ce sujet-là. Non, revenons-nous moutons et soyons sérieux, là. Albert, pose-nous une question. Qu'est-ce que je pourrais dire? Attendez un peu. Ah, ça y est, moi, je vais en poser une pendant que tu réfléchis. Qu'est-ce que nous allons mettre comme nouvelle couleur l'année prochaine? S. E. S-E-A, curieux. N. C. E. S-E-A-N-C-E. Séance? Qu'est-ce que ça veut dire? Séance? Séance de spiritisme? Oh, c'est pas possible. Quelqu'un a jeté un sort. Ben, moi, j'ignorais même de quoi on parlait. Bon, oh, c'est bizarre. Allons, remettons ça. Tout le monde les mains en l'air. Vous savez, Muriel, c'était pas moi. Oh, ça ne fait rien. Bon, soyons sérieux. Tu parles. Allons, un peu de concentration. Y a-t-il un esprit parmi nous? Muriel. Et toi, chérie? Y a-t-il un esprit parmi nous? Albert, voudrais-tu retirer cette pipe de ta bouche? On ferait peut-être mieux de se concentrer en fermant les yeux. Très juste. Y a-t-il un esprit parmi nous? 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 Y a-t-il un esprit parmi nous?
Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens mal? Je t'apporte du brandy ou ce que je pourrais trouver de fort. Non. Non. Ça va mieux. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai perdu connaissance. Est-ce que tu es sûr que tout va bien, Jim? Oui, ça va. Je me sens bien. C'est tout de même étrange ce que j'ai ressenti. Cette idiote de Muriel, je la retiens avec ses manies. Et puis, il y avait aussi la fumée du tabac qui empestait la pièce. Ça avait un air effrayant, tout ça. Oh, comme tu y vas, tu dramatises un peu trop cette histoire. Surtout toi qui n'es pas du genre à croire ces bêtises. C'est évident, c'est ridicule. C'est que je m'inquiétais pour toi. J'étais très fatigué, sans doute, c'est ce qui a provoqué ma perte de connaissance. Après une bonne nuit de sommeil, tout ira mieux. Jim, comment se fait-il que nous ayons changé de chemin? C'est une erreur. Juste par inattention. Enfin, je crois. Tu ne préfères pas que je conduise? Vaudrait peut-être mieux, tu sais. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais ça, Jim? Il y a quelque chose sur la route. Pauvre trésor. Sont les phares qui l'ont ébloui. Eh, on peut dire qu'il a eu de la veine. Et puis on ne va quand même pas l'abandonner. On va la porter à la police, c'est ce qu'on fait dans ce cas-là. Jim? Oui? Dis-moi, chérie, si on ne retrouve pas le propriétaire... Ça y est, on y arrive. Est-ce que je pourrais le garder pour moi? Oh, il est si beau, tu sais. Ce serait une bonne compagnie pendant que tu seras parti. Oui, nous allons réfléchir à tout ça. Tu sais que la compétition, j'aime pas ça. Oh, oh! Qui a dit que les chats portaient la chance? Sortons vite! Stryker. Capitaine. Jim, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux voir Stryker. Regan. Regan. Identification vocale positive. Regan.
Et ils vont relâcher. Tout cela est plutôt incompréhensible. Ils recherchent sans doute des organes pour les transplanter. Non! Ça semble évident. Non, vous faites erreur. Vous faites erreur. Ils auraient pu aussi en terminer avec moi ou me garder. Oui, à condition bien sûr de convenir comme donneur. Ils ont dû identifier votre groupe. Ce n'est pas le tissu humain qu'ils cherchaient. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'ils vous aient laissé la vie. Ce qui me sidère, moi, c'est qu'ils s'emparent d'un membre du Shadow. Oh, ça, c'est peut-être une coïncidence. Quatre autres personnes ont été également enlevées sur cette même route. Une femme qu'on avait crue morte a réussi à nous dire ce qui était arrivé juste avant de rendre le dernier soupir. Elle était cardiaque. Qui dois-je désigner pour remplacer Jim? Personne. Vous irez rapporter les feuilles demain, retour au travail. C'est tout, Regan. Je crois que cet homme a été secoué, qu'il aurait grand besoin... Ah oui, je sais. Avec toutes ces attaques sur Vénus, probablement la sonde a été détruite et le visiteur est encore en train de rôder. Alors pas un astronaute ne peut s'absenter. C'est tout, colonel. Jackson. Général, vous savez ce qui est arrivé à propos de Regan? Je sais. Le pauvre. Une tragédie. J'ai voulu qu'il recommence à travailler. Que faire d'autre? C'était la seule solution. Je sens que vous, au moins, vous me comprenez. Alors vous serez aimable de jeter un coup d'œil sur lui au cas où... Oh, mais certainement. On dirait que vous aussi n'êtes pas en très bonne santé. Oh, Denis Pradji. Si ça peut vous faire plaisir, eh bien, je vais avaler deux aspirines. Tenez, on a demandé si je passais ici de vous apporter ça. C'est vous, justement, que je cherchais. J'ai encore un peu de vacances à prendre, et si vous voulez que je soulage Regan dans son travail... C'est très gentil à vous, Paul, mais il est préférable de ne pas le relever de ses occupations. Autre chose, Vénus pourrait très bien envoyer la réponse au test. J'aimerais voir ça avec vous. Merci, docteur. Ne partez pas. J'ai ici les résultats de l'autopsie exécutée sur l'extraterrestre, si vous voulez voir. Celui qu'on a trouvé près de la base blanche? C'est suffisant pour détruire toutes nos précédentes théories, Strecker. Comment ça? Ce n'est peut-être qu'une conjecture, car on a découvert la tête en mauvais état. Or, c'est peut-être complètement faux, jusqu'à plus ample information, bien sûr. Croyez que je regrette, docteur, on ne peut guère accorder crédit à tout ça. Je regrette, moi aussi. En tout cas, vous êtes prévenu. Depuis toujours, nous avons cru qu'ils étaient bien des humanoïdes. En disparition, du moins en voie de l'être. Mais qui tentaient de se maintenir en vie par transplantation de nos organes sur leur corps. Celui que j'ai examiné ce matin, enfin je crois, était lui, par contre, entièrement humain. Son cerveau? Évidemment, son cerveau l'était. Vous pensez qu'il est de notre race? Apparemment, je le crois. Mais si le cerveau est... Le cerveau, bien sûr, peut très bien être humain. Mais qui dit que l'esprit est humain, lui aussi? Mais l'esprit et le cerveau, tout ça, c'est la même chose. Non. Laissez-moi tenter de vous expliquer. Son cerveau était si endommagé que c'était quasiment impossible de trouver. Mais... certaines sections du cerveau semblaient manquer. Les parties qui contrôlent l'émotion, la création aussi. Seules restaient en état les parties de l'analyse et de la logique. Il est très possible que toutes ces créatures aient notre apparence, après tout. C'est juste une supercherie. Et quand ils ont supprimé ou nettoyé le cerveau, bien entendu, ils reprogramment la personne ou transmettent, disons, les ordres qui leur plaisent à leur créature docile. Mais pourquoi? Ah, ça, je l'ignore. C'est que peut-être, ils sont incapables de se déplacer dans l'espace. Leur forme de vie lymphatique, en quelque sorte, est très troublante, dure à imaginer.
Il est possible qu'ils n'aient aucune apparence physique du tout et qu'ils aient besoin d'un véhicule, un contenant, notre propre corps. Ce qui explique qu'avec un peu de chirurgie, disons une ablation, ils peuvent humaniser, du moins redonner la vie en greffant plusieurs organes jugés indispensables. C'est exact. Tout ça me semble incroyable. Cependant, c'est vrai. Eh oui. Aussi fantastique que ça paraisse, je ne vois qu'une explication. Nous avons affaire à des ordinateurs vivants. Tu n'as pas le droit d'être là. C'est une zone interdite aux chats. Regarde, une mascotte qui nous tombe du ciel. Rouge, alerte rouge. Un visiteur quitte la Terre en zone PZ 17, direction Ambre 28G, vitesse 1500. Base blanche, le visiteur approche de la zone Ambre 28G ETA 338. Alerte rouge. Alerte rouge, intercepteur en position immédiate de départ. ETA en zone Ambre 28G à moins 320. Ordre aux intercepteurs, regagner zone bleue 1, 2, ETA, moins 1, 9, 60. Les visiteurs croisent le plan de vol en diagonale. Et suivez leur course. Maintenez station 1, 28, 0, prêt à l'intervention. Entendu. Ça semble dangereux. La vitesse du vaisseau est tombée à 250 000. À cette vitesse-là, Reagan pourrait l'attraper. Reagan ? Dire que sa femme est dans ce vaisseau. Je jure que j'ignore ce qui est arrivé. On me communique qu'il va rencontrer ma trajectoire. Je l'aperçois deux secondes après disparu. La chance ne vous sourit guère lorsque vous rencontrez des visiteurs, particulièrement celui-ci que vous deviez intercepter. Le fait que ma femme soit à bord avait renforcé ma détermination. Je voulais l'attraper. J'aurais préféré qu'elle meure plutôt que... Ce n'est pas entièrement votre faute. Je pense que ma décision concernant la reprise du travail était, disons, prématurée. Maintenant, je vous mets en congé pour un mois. Je ne désire pas être mise en congé. J'ai une mission sur Vénus, je pars avec l'escorte de demain, ce qui me donne une autre chance. Reagan, je n'admets pas l'esprit de vendetta.
Le colonel Foster prendra votre place. Mais je veux retourner. Vous êtes suspendu pour un mois. Ceci est un ordre. Mais... C'est un ordre. Le colonel Foster va prendre la place de James Regan jusqu'à un nouvel avis. Informez tous les départements. Docteur Jackson. Jackson. Je viens de relever Regan de ses fonctions. Demain matin, je veux le rapport complet et surtout psychiatrique du patient. Tiens, c'est là que tu t'étais caché. Oh, ce chat est à vous? À ma femme. Enfin, disons qu'il aurait pu être à elle. On l'avait trouvé sur la route, avant de rencontrer les extraterrestres. Est-ce que ça va, Jim? J'ai un peu mal à la tête. Alors, où en est-on dans le cinéma? Il y en a très peu en ce moment. Tenez, une signature, s'il vous plaît. Ils viennent de finir Les Rebelles de Santo Domingo et je sais qu'on doit faire un commercial avec des chiens, plateau 4. Ah, la script voudrait obtenir votre accord. C'est pour récapituler un passage de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, hein? Mais je crois que je vais laisser Mademoiselle Hélène s'occuper de ça quand elle sera de retour. Entendu. Oh, Mademoiselle Hollande, je ne vous ai pas encore remercié au sujet de ce remplacement inattendu. Ce n'est rien. Ça me change un peu de ma section 9. Comment va le colonel Lake? Oh, elle va très bien. Je lui transmettrai votre bonjour. Oui, c'est ça. Bien, je suppose qu'étant le patron des studios, je devrais me montrer. Sur quel plateau, disiez-vous? Le 4, monsieur. Comment Jim Regan réagit-il? Il a bien réagi. Courant à propos de John. Je ne sais pas quoi te dire, c'est terrible. Si je peux être utile en quoi que ce soit, est-ce que ça va? Moi, je te ramène. Mais attends une minute, qu'est-ce qu'il prend? Thank you.
Salut, Jim. Désolé pour... Oui. T'es en retard. Je le sais bien. Dis-donc une minute, je croyais que le colonel Foster devait occuper ton poste. Enfin, on m'a dit ça. L'ordre vient d'être annulé. Je te crois, mais je dois en parler à Stryker. Stryker l'a dit. Ordonné. Faudra que je vérifie. Ah, si tu le dis. Bonne chance. De l'équipage dans les intercepteurs moins 30 minutes. Je pense à ce pauvre Jim, c'est pas de chance. Ouais. C'est pas de chance, ça, non. Pilote des intercepteurs, tenez-vous près au départ. Et Foster, qu'est-ce qu'on fait? On le signale? Bon, non, il est probablement en train de travailler en salle de gym. T'occupe pas, il va revenir. Intercepteur prêt à partir dans 3 minutes. Je crois que là, faut faire un rapport. Jim, je croyais que Paul devait être remplacé. L'ordre vient d'être changé. C'est toi qui m'en informe. On vient de prendre la décision, Paul est tombé malade. Tu m'excuseras, Jim, je ne doute pas de ta parole, mais il faut que je me renseigne. Allô, opérateur, répondez. Ici capitaine Minto. Je voudrais parler au contrôle. Intercepteur, départ immédiat. Docteur Jackson? Jackson? Le rapport médical que je vous avais demandé sur Reagan, je ne l'ai pas encore, docteur. Je n'ai pas pu l'examiner, général. Je ne sais pas, tout le monde semble ignorer où il se trouve. Localisez Reagan. Il doit se rendre chez le docteur Jackson sur le champ. Stryker. Ici Morgan. Reagan est parti pour la base blanche ce matin. Connaissiez-vous les ordres, à savoir le colonel Foster remplaçant Reagan? Oui, général, mais il a déclaré que vous les aviez annulés. Je veux que vous veniez me voir demain, Morgan. Je ne dicte pas des ordres dans le but de les voir ignorer. Bien, général. Base blanche. Base blanche. Je voudrais parler au capitaine Reagan. Il est de la mission Vénus parti ce matin. Où est le colonel Foster? Le colonel a quitté la base blanche. Contactez Reagan. Il faut découvrir ce qu'il est en train de fabriquer. Entendu. Reagan. Reagan, répondez. Reagan, répondez. Reagan est parti, colonel. Je croyais qu'il restait au sol. Je le croyais, oui. On n'a plus de contact radio. Il n'a jamais désobéi aux ordres auparavant. Et ce qui m'inquiète, c'est ce qu'a pu devenir Foster. Il doit être sur la base blanche. Non, il est ici. J'ai contacté la base. Général. À la minute où le capitaine Reagan atterrit, qu'on s'empare de lui et qu'on le garde. Après, je verrai. Entendu. Dieu du ciel, mais qu'est-ce qui a pu... Paul, qu'est-ce qui s'est passé? Reagan, il est fou, complètement fou. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Je l'ignore. C'est très curieux, il est comme dans un état de démence. On aurait dit un animal sauvage. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Non, rien du tout. Rien du tout? Non. Il tentait d'émettre des sons comme un chat. Un chat? Général, il y a un chat ici. Il appartenait à la femme du Reagan. Il l'a découvert tout à côté du vaisseau spatial. Quelque chose aussi que je dois vous signaler. C'est qu'après l'avoir ramassé, il a soudain senti qu'il éprouvait des maux de tête. Jackson? Jackson. Les corps programmés, cette théorie, dites-moi, docteur, est-ce qu'elle s'appliquerait à un animal? Bien, en faisant des recherches... Est-ce possible?
Le cerveau est d'une structure très différente, mais je suppose... Mais répondez-moi. Oui ou non? Je dirais oui, mais avec réserve. Alors que l'on fouille tout l'édifice. Un instant, assurons-nous d'abord qu'il y est encore. Appelez Mademoiselle Hollande. Mademoiselle Hollande? Oui, j'ai cherché. Ça fait à peu près une demi-heure. Général, Reagan abandonne la formation. Trajectoire. Intercepteur 3 se dirige sur base blanche, risque de collision. Je répète, risque de collision. Ils utilisent Reagan pour détruire la base blanche. Instructions, intercepteur 1, 2. Prenez en chasse et détruisez intercepteur 3. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez compris. Exécution, lieutenant. Entendu. Intercepteur 1 et 2, détruisez, je répète, détruisez intercepteur 3. Ça ne marche plus. Aucune puissance. C'est pareil, moi non plus. Il nous faut cet animal. C'est notre dernière chance. Cherchez. Attendez une minute. Et les chiens. Très juste. Qu'on aille les chercher.